Ouais, allô? Ouais, Steph? Ouais. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, je te réveille, j'espère. Bah, carrément, t'as vu l'heure qu'il est? Ouais, il est 7h. Bon, ça va, tu travailles pas, mais t'as l'habitude de te lever à cette heure-là le matin, même plus tôt. Ça te dit de venir avec moi? Ah, tu me réveilles à cette heure-ci pour ça? Bon, attends, t'es fan. Ah ouais, fan, mais c'est mon genre de repos, quoi, putain, je dors. Ah oui, mais je me suis dit, je vais pas t'appeler hier soir, je vais te laisser dormir quand même. Bah, tu m'aurais prévenu, je me serais peut-être couché plus tôt aussi. Ouais, c'est pas grave. Ça te dit ou pas? Putain, ouais, il fait beau, j'ai bien le temps dehors. Ouais, il fait beau. Putain, elle était là dans combien de temps? Je sais pas, moi. Quart d'heure? Putain, quart d'heure, putain. Vas-y. Tant que je me lève, que je m'habille, tu veux pas venir dans une demi-heure? Allez, vas-y, une demi-heure. Comme ça, je passe à la pompe. Ok, bah écoute, je me prépare et puis tu me dis quand t'es là. Ça marche, allez, à tout de suite. À tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dire où on va, mais on va y aller. Il faut y aller, c'est important. C'est important d'y aller. Comme vous l'avez entendu, je passe prendre Stéphane et on y va là. Il est 7h un petit peu passé, mais bon, ça va, Steph, il est matinal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc aujourd'hui, je vous prends avec moi, j'ai prévu 2 trucs, voire 3, voire 4. Et si on était des fous, si on en faisait 5? De toute façon, vous savez même pas où on va. Allez, c'est parti, on y va. En voiture. Ah ouais. Ça va? T'es pas trop dans le cake? Un peu quand même, si. On est arrêté sur la route. Mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est simple, je vais vous le dire moi, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai envie de pisser. Ah merde. Non, c'est pas pour ça. Vas-y, débranle ma bagnole, toi. On est au bout des pistes de Roissy. Et en fait, c'est un endroit cool si on veut faire des photos d'avions, des trucs comme ça. Bref, je vais regarder si on peut faire quelques photos marrantes des avions qui décollent ou qui atterrissent. Ici, à Charles de Gaulle, il y en a un qui atterrit toutes les 30 secondes, donc ça devrait être assez facile. Et qu'à peu de chance, on aura là 300 casse-froid. Allez. J'ai pris l'avion des dizaines de fois, mais c'est la première fois que je m'arrête comme ça, comme un clampin au bord des pistes pour regarder les avions atterrir. Bon, finalement, on y va ou pas là? Parce qu'on a. Ouais, ouais, j'ai toujours pas dit où est-ce qu'on allait. Hein. Y en a qui auront pas deviné. De se faire un petit McDo là vite fait avant d'aller faire ce qu'on a à faire. Et ouais. Encore, vous allez dire. On est encore à Disneyland. D'accord. Ça va finir par leur casser les pieds, hein, pour rester poli. Ouais, on est encore à Disneyland, mais c'est pour tester.
Hyperspace Mountain. Ouais, on s'était dit avec Steph, ouais, on va y aller, machin, faut qu'on y aille absolument. Lui, il l'a déjà fait 10 fois depuis que c'est bien. Au moins 10 fois. Moi, j'avais envie de tester, mais j'avais pas envie d'y aller un week-end. De toute façon, tous les week-ends, on a mixé, on avait la Gate Beauty, on a fait plein de trucs. Et après, les premières semaines, souvent, c'est blindé de monde. Du coup, on s'est dit, va attendre, je vais faire le connard, je vais te réveiller quand tu t'y attendras pas, et je vais te forcer à venir avec moi dans ma caisse, et je vais te traîner à Disneyland. Et ça va pour Hyperspace, ça vaut le coup. T'es fatigué, non? Un peu, ouais. Mais on va aller se réveiller avec un petit tour de Hyperspace Mountain. Ouais, parce qu'on a déjà nos fast-pass. Allez, c'est parti. De cette attraction. Bah, tu veux dire quoi dessus? Bah que quand je monte avec toi, bah, je suis pas attaché en fait, du coup je vole dans tous les sens. Je sais pas si vous avez remarqué, je fais ça et ça. Parce c'est que... pour que tu aies plus de sensations, j'ai pensé à toi. Exactement, Steph n'avait pas rentré son ventre, du coup j'ai un peu de marge dans le harnais. Niveau consigne de sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais niveau sensation, c'est pas mal. Au moins tu sautes bien dans les descentes. Voilà, c'est ça. En gros, quand il y a un pif paf ou un truc, ça fait hop. Et Steph, lui, il bouge pas, il est calé. Sinon, Space Mountain, bon, on a eu un petit problème de son. On n'a pas eu le son, gros problème. Le son était décalé, il n'était pas synchronisé. On aurait dit un mix de l'autre pimpin il y a 2 semaines. Là. Il n'y avait rien de calé. Je trouve que ça manque un peu de lumière, en fait, dans le truc. Les effets laser, ils pètent, mais les effets étoiles et tout, je trouve ça sombre. Il y a trop d'espace de vide entre les effets ou les scènes qu'il y a dans l'attraction. Ouais. Et du coup, tu as un peu l'impression de t'ennuyer quand même. Mickey, si tu nous regardes, il faut déjà réparer et ensuite améliorer. Alors comme Steph est addict, il récupère toutes les photos. Ouais, on a toutes les photos de toutes les attractions et à chaque fois. Alex, il y a une photo là, fais une grimace, hein. Tu fais le con, hein. Tu fais n'importe quoi, hein. On s'en fout, il faut faire quelque chose. Envie d'aller faire Star Tour, pas toi? Si. Ouais. Star Tour? Ouais, allez go. Allez go. Ce sera des petits trains. On est en mode lune de miel, donc on veut profiter. On est là pour profiter, on va faire une petite balade. C'est ça, une balade en amour dans le train autour du parc.
cette fois c'est Star Tour. Vraiment, on va aller boire un coup. Vite fait, ouais. Je vais dormir. On a soif. Ouais, j'ai soif. On a soif, on a soif, on a soif. On a même pris des gaufres. Ouais. Pour qu'il ait encore moins de place dans BTM. Ouais. Je vois le strapontin qui se recule, enfin le fermoir. Comment s'appelle ça? Le harnais aussi. Chaque fois qu'il dit gaufre, je vois, ça fait clac, un cran moins, un cran moins. C'est toi qui m'as dit, tu veux une gaufre? Je l'aurais pas proposé, je l'aurais pas demandé. J'ai pas dit ça, j'ai dit, tu veux une gaufre? Tu veux une gaufre. Et tu m'as demandé si la sauce, je la voulais à part ou sur la gaufre. Et tu m'as dit, sur le Perrier. Bon allez, c'est définitif là, on l'a fait parce que c'est mon attraction préférée je crois ici. Je crois que c'est la première que j'ai fait. Toutes les autres, Space Mountain et tout, la première fois que je suis venu, j'étais trop petit. Donc Star Tour, c'est mon attraction fétiche. Et je trouve que parmi ce qu'ils ont fait dans les trucs Star Wars et tout, Hyper Space Mountain c'est bien mais c'est pas ouah non plus. Et Star Tour elle est vraiment réussie je trouve, le truc en 3D et tout, c'est rien à dire, c'est top. Dans le projet Blair Witch, la façon de filmer. Non, c'est plus comme ça, quand tu filmes sous le nez. Ouais, avec le nez qui coule et tout. On est où? Ils ont déjà un bruit. Un peu vénère hein, Vador. Ouais, un petit peu. Ouais, il est du genre à se vénère. Oh là, Coco, ouais. Hey, la savane était cool, il nous a pas fait de mal, il nous a relâché, c'est cool. Ouais. Quoi, t'avais peur qu'il te viole? T'as vu comment il est grand, t'imagines ouais, comment. Ça a des fermes. Tu sais qu'il y a des enfants qui regardent. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Après. Tu parlais de son sabre laser. Exactement. Ça me dit bien d'aller dans l'autre parc là. Ouais, un petit tour de la terreur et un petit rock. Je me vois bien mettre la GoPro dans la tour de la terreur. Je sais pas, on n'en trouve pas beaucoup des vidéos de la tour de la terreur. On va se faire gauler, sinon on va finir en tôle avec Vador. Hop, 19h, je pense qu'on va rentrer, là on a fait un petit tour sur le parc, on s'est bien marré, on a testé Hyper Space Mountain, on a fait un concours de grimaces. Vous verrez, je suis pas mauvais là-dedans, Steph aussi se défend bien, il est là, il me regarde avec son petit air c'est moi le meilleur. De ne pas y toucher. Je vais vous les mettre là, je sais pas, je vais vous les mettre là les photos. Ah là, il y a de l'espace. Non, mais ouais, là, tu vois, là. Il y a de l'espace. Là. J'ai dit là, c'est bien là, c'est ma vidéo, je le mets là. Et c'est mes photos. Gnagnagnagna. C'est toi le photographe? C'est une machine qui est payée pour te prendre en photo. C'est mon photopass que j'ai payé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui a l'air le plus con ou qui a l'air le plus débile. Je pense que j'ai quand même une longueur d'avance là-dessus. Au niveau de la débilité et de la connerie. Ouais, ça je confirme. Ils peuvent en témoigner. Donc voilà, là on va rentrer tranquillement, je vais aller retrouver Rox et Mila parce qu'elles ont passé la journée à deux comme des grandes. Bon allez, on y va. Aujourd'hui c'est la journée malbouffe. Après le McDo, on continue. Sandwich Donut. Sodez-vous. On va pas dire la marque, faire des placements de produits. Je vous précise que je ne suis pas payé pour réaliser ce placement de produit.
qui n'est pas un placement de produit. Avec tout ce qu'on a marché à Disney, on a perdu, non? T'as perdu, moi j'ai pas grand chose à perdre. J'essaye de perdre, mais moi je perds pas. C'est les derniers qui sont les plus durs à perdre.